cela aujourd'hui 24 avril 2023. Je dis là, ce n'est pas une conférence classique que nous habitués à faire, mais nous croyons que c'est important pour que nous partagions et plusieurs informations avec les populations à travers la presse. Et pour nous dire tout à la population, hein, que la police nationale mobilisée et opération la police à même en cours. Donc on est des événements. Côté que le 9 avril 2023 au niveau Thomasin, côté que nous avons perdu 3 jeunes policiers qui eux-mêmes étaient au service pays et côté que aux victimes dans l'accomplissement de voir tâche et travail responsabilité que vous avez au niveau sécurité pour permettre que l'autre monde vive. Nous dit que les policiers baillent la vie pour la vie de l'autre monde. Et c'est comme ça que tous les policiers ont fonctionné. C'est un travail qui n'est pas facile, mais il m'a donné une détermination. Nous connaissons le 9 avril, des opérations au niveau Thomasin, zone La Boule, côté que, comme bilan partiel, gagnait 6 fusils d'assaut qui récupéraient. Il y a 2 radiocommunications, il y a 30 véhicules qui sont immobilisés, il y a 7 motocyclettes qui sont immobilisées dans le fief Timakak, ainsi connu, il y a une génératrice qui est détruite, il y a 3 cadavres que la police récupérait suite à échange de tir avec la police, il y a plusieurs bandits qui malheureusement blessés mortellement suite à intervention et échange de tir autour avec la police. Il y a tout plusieurs otages qui sont arrivés libérés. Et dans un petit tour à la presse, lors de l'intervention SAO, il y a Metellus Cordo ou Metellus Petit Homme, alias Timakak, chef de gang qui a opéré dans toute zone là, et dans pile monde dans la population là, qui est victime de réseau ça, de kidnapping, de enlèvement, séquestration et des policiers tout qui victime tout que nous connaissons. Suite à dernière intervention et selon source de renseignement, non, Timakak, chef de gang, source de renseignement confirmé que il est décédé suite à blessure. Nous connaissons que ça passe tout le matin tout au niveau Canavérère, côté que la police a intercepté un minibus et a abordé plusieurs monde armés. La police a fait toute salle capable pour que les arrêtés mon lieu de préférence et conduit devant la justice, mais vu à colère population, ce que nous comprenons, et n'a profité tout. Pour nous dire à la population, nous comprenons la situation qu'a traversée là. Et nous toutes, dans la société victime. Mais la collaboration que nous avons demandé, il faut sans violence. Et ça que nous avons demandé à la population. Et tout effort que la police a fait, malheureusement, les bandits armés qui étaient à bord du véhicule là, c'était que. Yo lynché et population brûlée. Pour le moment, en attendant le rapport définitif, il y a plusieurs armes que nous joignent, plusieurs munitions, plusieurs téléphones et tout matériel. Et concernant Cité Soleil, qui fait actualité tout pendant le week-end ou pendant la semaine, on a dit que selon l'information de rien, c'est à 2 groupes niveau qui tapent nos mains et ça nous vient comme premier élément d'information. Et pour le moment, la police occupait des positions stratégiques et pas simplement au niveau
cité Soleil, mais un peu partout des quartiers qui, pendant ce moment, ont été bouleversés, dont zone Miotlan, Dieppe, et pendant pas la voie tout, la police tout présente au niveau centre-ville. Et encore une fois, nous demandons des populations en collaboration dans ce sens, parce que vu la situation et gang même qui vient en leur méthode, côté qu'il y a déplacé de quartier en quartier, et pour créer peur à la population, et pour la population elle-même quitter la zone. Et nous comprenons la situation, peur de la population, mais nous avons demandé encore une fois à la population pour être vigilant et continuer côté tout collaboration avec la police nationale. Dans la Tibonée, nous avons deux commissariats qui, pour le moment, pas gagné un policier, à savoir Petite Rivière et Liancourt. Il y a une disposition qu'a prend au niveau de la direction générale là pour que la police retourne dans l'espace là avec, bien sûr, des matériels, moyens logistiques pour les policiers capables de travailler. Et pour la situation et sous ce matin là, il y a plusieurs informations qui viennent de nous. Et côté que il y a plusieurs mondes qui sont victimes dans la zone ça. Pour le moment, nous attendons le rapport définitif de responsables dans la zone ça pour nous connaître exactement combien, mais ça a préoccupé nous. Et nous préoccupons au commandement et nous réfléchissons pour que des interventions vraiment soient faites dans la zone ça. Mais tout de suite, et la situation s'est développée. Et la police, au côté de Paris, fait tout ça capable, en fonction du matériel, pour qu'il soit capable d'être présent dans la zone ça. Et nous tous connaissons déjà qu'au niveau logistique, nous sommes limités en termes de moyens, en termes de matériel. Et ça fait grand-bille, il faut qu'on fasse au niveau du commandement pour que nous renforcions la capacité matériel, équipement, la police nationale là, de manière pour que les bonnes situations, les troubles, les bandits envahissent l'espace pour la police même capable de réagir. Et encore une fois, la petite population, pour ses yeux, la police, et pas gagner l'autre partenaire qui voulait pour vaquer les bonnes activités, partenaire, ça c'est la police nationale, et c'est ensemble pour le faire. Au commandement tout à féliciter tout policier dans le dernier moment ça, pour dévouement, détermination, courage face à la situation insécuritaire. Malgré, encore une fois, nous limiter au niveau logistique, mais pas de bail qui est plus fort que détermination et courage. Et policiers ont bail vie. Les policiers ont tout ça en termes de capacité pour que vous-même, pour vous dépayer et en fonction de moyens, pour que vous arrivez à faire travail. Encore une fois, nous remercions toute la population. Côté, nous croyons encore et nous avons toujours cru que un mariage population avec la police dans la baille, bon résultat. C'est solidarité ça que nous avons demandé. Chaque jour avec la population. Hein. Et ça fait que nous remercions, c'est parce que il voulait des signaux pour que il montre nous la fait tout ça capable pour que il puisse solidarité, sa collaboration. Ça. Et nous demandons encore pour qu'il soit très vigilant parce que nous connaissons que dans yo un peu partout et yo éparpillé dans plusieurs foyers des gangs. Et travail ça, c'est pas la police tout simplement. Qui est capable de solutionner, c'est vrai que nous sommes un élément important dans la question de sécurité, hein, mais il y a d'autres secteurs qui viennent avec nous, toujours dit, également la population que nous comptons sur. On parle tout sur la situation sur ce matin, mais il y a un bilan d'intervention de la police, parce que les chiffres sont extrêmement importants pour nous. Et puis, troisième question, c'est en ce qui concerne le dossier Bafla. Est-ce que la police, effectivement, a commandé pour arrêter l'ancien ministre de l'autodossier? Concernant d'autres antennes qui pas les policiers là-dedans, et comme au niveau de l'Antibonite, nous connaissons qui ça qui est lié, et pas trop longtemps, et nous ne pouvons pas dire qui ça arrive encore,
mais situation et demande toute population dans la zone ça également dans la zone post-sécurité. Disposition à prendre, c'est graduellement, de manière pour que nous sommes capables d'arriver, investir encore l'espace ça, pour que nous sommes capables présents et pour nous permettre toute population les mêmes vagues dans l'activité. Et concernant sous ce matelas, on était lourd que il y a plusieurs informations qui nous viennent nous et qui fait qu'on ait gagné plusieurs morts, malheureusement, côté que, encore une fois, la population est victime de mille de bandits. Et nous avons un rapport et responsable au niveau zone pour que nous soyons capables de gagner un bilan définitif pour qu'on ait exactement combien de monde qui malheureusement victime de situation de l'État. À savoir, et question qui est liée à BAF, on connaît que c'est comme la justice, l'instruction est secrète au niveau de la direction centrale et de la police judiciaire. Et question là est encore une fois importante, mais je pense que il est plus bon pour que la justice même continue de travailler. C'est certain que, et beaucoup de pas, et la presse, même nous sommes capables d'aller auprès d'autorités pour que nous soyons capables de gagner et d'autres informations. Mais pour et la police, c'est, je me dis, c'est comme l'instruction au niveau cabinet, l'instruction est secrète. Yeah. Et un petit bref rappel sur ça. Est-ce qu'on est capable de dire nous l'identité monde qui mourit? La police est capable de dire nous l'identité monde qui mourit canapé verio et qui peut sortir. Et question par maintenant, Divini. Il y a plusieurs chefs gang qui disent mais qui est-ce qui va au bal, mais qui est-ce qui va aux armes. Donc, est-ce que DCPJ lui-même tend des mounes à eux, contre nos mounes à eux, ou bien tend des mounes à eux, de façon qu'on est capable de faire lumière sur ça? Merci. Et concernant l'identité, bon, c'est le monde qui est léché, et puis on est diffusé sur eux. Ça a demandé justement un rapport et au niveau des polices scientifiques et techniques pour qu'ils soient capables de monter et à identité. Mais Jean Boulan, et Nathan Napoa pour que, au fur et à mesure, pour que nous informions la presse. Et à savoir, votre question, s'il vous plaît. Nous avons retenu votre vote à la caille. Et notre sud-capital, là, nous avons continué à acheter l'argent comptant. Et nous avons constaté pour.